qui va être en tête. Troisième jeu, La Rochelle mène de jeu 0, 0-0. Excusez-moi, ça fait maintenant 10-3 dans le match. Allez, fini. Match La Rochelle. Pour deux heures. Le mec sous-main, c'est si on bat X, on bat égal.
On va qu'il y a deux fois la bille. C'est une vraie ex. Rappelle-toi. Quoi? Tu te souviens pas de ça? C'est parti de là, il y a un connard qui a dit qu'on va être, on va être bien. Ou alors ça donne quoi du tout un défendement? Ça y est, t'es blanchi? Hein? Bah ça y est. Terminé. C'est vrai? Bah oui, il y a eu de... Parce que je suis allé au CMSF et CMSF a dit non. Pourquoi? Mais qu'est-ce que vous avez fait là? Je me suis dit, il n'y avait pas le droit de prendre une mission, mais je pense pas que ils ne peuvent pas interdire quelqu'un de rentrer dans un club. Premièrement, le commission discipline, ça suspend une licence. Allez, Karine! Après, il se fait faire mais la FED, ils sont capables de tout, mais tu les connais pas. Moi, ça fait. Moi, c'est la seule, je leur dis, heureusement qu'il y avait pas une discipline, je suis allé franc, heureusement qu'il n'y a pas de guillotine dans les bureaux de la FED, sinon j'ai passé. J'avais été pour porter la formation, c'est dur en fait. Allez, Karine, allez! Et là, bah écoutez, il me dit, donc, le CMSF, celui qui était là pour CNSF, c'était un avantage pour le prêt général, le cours de la session, pas un mec en activité, donc pour un mec qui ne lui fait pas le prêt. Il a clairement dit, mais ça a duré une heure et demie, quoi. Une heure et demie, et pendant 5 minutes, il m'a demandé de laisser mes peaux, l'heure de mon etc. J'avais envoyé un client, pendant une heure et quart, c'était un dialogue avec son client. Et Karine! Vous vous rendez compte que si. Dialogue, dialogue. Fontaine ne voulait pas. Mettre. C'était bien lié. C'était pas son clone. J'ai reconnu au début, je me suis dit putain, je le vois pas trop souvent. Dans une heure et demie, c'était Jacouille Afrique, oui. C'était exactement ça, quoi. C'est-à-dire que. Non, mais comment vous voulez? Le mec, il dit, mais attendez, je veux du bâtiment, je connais pas le dossier, c'est pas le problème. C'est moi, je suis une sanction, premièrement, que vous n'avez pas le droit de prendre, qui est excessivement. Empêcher quelqu'un de rentrer dans un club, c'est pas quand même. C'est pas anodin, quoi, premièrement. Deuxièmement, vous avez fait n'importe quoi au niveau des règlements, vous avez communiqué sur une sanction qui était illégale. Vous avez cité le nom de chez monsieur, alors que dans les règlements, on n'a pas le droit. Donc c'est profondément différent. Il conclut la décision, c'est excessivement lourd et bien séquence. Et pendant que j'étais au CMSF, je n'avais pas encore le résultat de la plainte qui avait été déposée. Et lui, il dit clairement à Fontaine, il m'a dit, imaginez que la plainte soit classée sans suite, que ça s'arrête là, imaginez les conséquences de la présentation. Monsieur, il va certainement se retourner contre vous, parce que ça fait 8 mois qu'il ne peut pas travailler. Le mec, il me dit, vous allez pouvoir retrouver le travail comme ça. Et je ne cache pas qu'avec l'étiquette sur le frein, hein, ça fait un peu dur. Ouais, mais j'ai pas dit ça, mais n'importe quoi. Dans tout ça, c'est pas en dehors. Ah, ben, n'importe quoi. Regardez, j'ai un courrier qui prouve que les agissements de M. Barreau. Un courrier. Ok, très bien. C'est quoi? Tenez, je vous donne une copie. Il me sort un courrier qu'un parent d'élèves avait demandé d'envoyer il y a 2 ans parce que j'avais dit à une gamine. Il va falloir que tu te fasses un peu de temps. Et tu vas te retourner contre la fédé. Bientôt en club. T'en as fait partie pour des années. Oui, je suis parti pour des années. C'est ça. On est rendu déjà à 3-4 ans. 3-4 ans, c'est un million. Et on n'a pas encore. Et encore, c'est. Ouais, c'est ça. C'est moi, je sais même plus. Par contre, le problème, c'est qu'un jour, si il y en a un qui prend la suite, déjà qu'il a pris, putain, il va y avoir des dossiers à traiter. Ça va tomber d'un coup. C'est ça. Et du coup, il va avoir des dossiers à traiter. Moi, il y a 8 mois de m'empêcher de m'empêcher de parler. Ouais, puis c'est surtout qu'il y a eu des accusations qui étaient confirmées. Eux, on m'en repris et on jouait de ça. C'est ça. Je fais toujours le parallèle avec, imagine, je ne sais pas, un président d'association. Il voit un gamin dans une. Ça, c'est normal. Il voit Eric dans une.
dans une fête en train de fumer du cannabis. Quoi. Ça, non. Imagine, c'est exactement la même chose pour moi. Il envoie un courrier de Fontaine, il est côté, M. Fontaine. J'ai vu, mais j'ai pu regarder, il fumait du cannabis. Putain, Fontaine, il ne peut pas regarder. Commission discipline. Commission discipline. Ça se pourrait, ça. Commission discipline. Quelle action ? On vous suspend à titre provisoire. On n'a pas de contrôle antidopage, tout ça. Mais. On vous suspend un petit peu bizarre d'accéder à un club de squash parce que bon, vous représentez une menace pour l'intégrité physique des joueurs de squash qui est en bref. Et en attendant qu'il y ait un contrôle, on vous suspend. Et pour une durée indéterminée, quoi, tu vois, ça peut durer 3 ans. Hein. Et puis au bout de 8 mois, il se fait contrôler, heureusement, et il contrôle négatif. Et là, tu reviens devant le fantôme qui dit: vous m'avez empêché de jouer. Bon, c'est pas son métier, mais imagine que c'est son métier, vous m'empêchez de jouer. Vous avez dit que j'étais calmé pour sur la France entière, quoi. On m'avait vu en train de. Alors que j'ai. Non, c'était pas ça, c'était une cigarette, machin, et encore. C'est ma vie privée, quoi. Et c'est ça, quoi, tu vois. C'est... Non, ah, mais non, j'ai une lettre. Bah, pour l'instant. Je pense que mon avocat va essayer de trouver un arrangement pour ça m'arrangerait moins. Et puis, c'est... T'as intérêt plutôt que du coup, ça va durer. Bien sûr, bien sûr. Mais attends, tu crois que Fontaine, il va dire. C'est vrai, excuse-moi Nico, tu es allé un peu trop loin. J'aurais pas dû, tu sais. On se connaît là, ça sent Claude. Je me suis emballé, tu sais, machin. C'est impossible. C'est impossible. Toi, le mec, déjà, qui pouvait pas me souffrir, mais il a cru tomber sur une occasion d'or, sauf que celui qui t'a la gueule. Merde. J'en sais rien, je sais pas si on. C'est mort, parce que l'arbitrage, c'est soumis à on recrute pour la prochaine. Pour la France, un champion d'Europe. Si tu veux jouer la montée dans un club. C'est la fédération qui décide. Donc elle peut. Même si elle n'aurait pas le droit, même si. Vous arbitrez pas. Si, c'est sûr. Je suis en mesure de dire, oui, mais pourquoi ? Je suis obligé de remonter. Pas le droit. Ils font jamais ça. Je veux dire, non, mais écoutez, on peut dire deux, mais qu'un mot. Donc là, le placard, hop, il se rouvre. Balle de match, j'en dis. Maintenant, c'est pas grave. Balle de match. C'est la passion, quoi. Tu vois, c'est la passion. C'est pareil, on le prend pas. Comme ça, le tir de la lampe. L'image, parce que d'un coup, c'est quand même.
pas mon vrai nom. Non, c'est parce que vous comprenez. Non, je l'autre. Dégage.